C'est Frank & Co, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode, je ne sais plus du tout combien, excusez-moi les gars, Josh avait l'air de vraiment flipper pendant la séance. De Until Dawn, qui est une lunette qu'on aurait dû éviter de parler de ses sœurs. HW, Anna Winchester. Ouais, mais pas comme ça, pas en faisant du spiritisme, on est peut-être allé trop loin. Oui, donc voilà, c'était vraiment ça qui s'était passé, j'avais oublié. Donc dans le dernier épisode, on a fait une petite séance de table à roulette qui a très mal tourné. Hein? On va pas se mytho les gars, il y avait un putain de fantôme derrière nous. Oh Ashley, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et donc il y avait un putain de fantôme derrière nous les gars, je n'arrive pas à retourner là-bas. Ok, pisse-moi dessus, je te dirai rien. Josh va me faire enculer, allez avance. Moi Ashley et Josh, je les adore. Je veux que ces deux-là restent à la fin de l'aventure en tout cas. Ouais, donc voilà. Et suite à ce qui paraît, il y avait Anna qui était là en mode oh là là, je suis un fantôme, loulou, je suis là. Oh, mais ce masque, les gars, ça me met trop mal. D'ailleurs, attendez, je vais peut-être me mettre dans l'ambiance. Je reviens dans 2 secondes. Ok, re tout le monde. Donc, j'ai éteint le store et les lampes. Enfin, j'ai fermé le store et éteint les lampes et tout ça parce que vous savez, vous me connaissez, les gars. Ah, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Les mythos, moi j'aime pas trop. Oh, t'as vu ce truc? Ouais. Mais y'a même pas de courant. What the fuck? C'est bizarre. Y'a une lumière en dessous. D'accord. Ok. Un peu chelou. Pas de mentir, j'ai un peu envie de me crever là. Je sais pas. Pas de mythos, donc ouais les gars, je suis allé au Valais, c'était grave stylé. On est dans un petit chalet comme ça, je vous cache pas que j'ai eu très très peur, non je rigole. Putain. Ah bah comme par hasard Aline Nictel. Attends, je peux pas forcer un peu? Non, je peux pas forcer. Donc ouais, on était au... je suis allé au Valais avec des potes, ça s'est très très bien passé, je vous raconterai ça peut-être dans une vidéo un peu plus détente. Wow. Merde. Est-ce que ça va? Je crois, oui. Regarde. Quoi? Enfoiré. Il y avait un truc derrière le livre. C'est quoi ça? C'est un bouton? Pourquoi il y a un bouton? C'est une très bonne question. J'appuie dessus? C'est à ça que servent les boutons. Pas maintenant, j'ai pas fini d'observer la pièce. Parfait. Ouais, mais ces espèces de petits enculés, c'est quoi les livres qui sont tombés? Je suis sûr que ça a une certaine importance, non? Je peux pas regarder c'est quoi? Ok, niquez-moi. Niquez-moi, excusez-vous. Bon bah, y'a rien d'autre à Théma ici. Ok, c'est parti. Oh, la porte s'ouvre. Ça devient bizarre là. On est dans un film là ou quoi? Si c'est le cas, j'espère que c'est une comédie romantique. Ok, donc il y a des passages secrets dans la maison des Washington. Vous l'ignorez peut-être. L'endroit est super vieux. Vous avez vu la tête qu'a fait Chris ou pas? Ouais, après toi. Non. C'était drôle. Ah d'accord, on joue Chris. Bonjour Chris. What? Il y a une putain de caméra qui est en train de me filmer là, je suis pas en train de rêver. Ça me rappelle la caméra qui filmait la salle de bain d'ailleurs, ça, au passage les gars. Wow. Un petit papillon sur le bras droit. Waouh. Je vais les prendre et les saigner comme des puceaux et arracher leur peau blanche et douce. 16 putains d'années, 16 ans que j'attends les jolies petites Anna et Bess. La vache! What the fuck? Les gars, moi je. Ouais, mais après elle va se pisser dessus. Ouais, mais après. Ah, oh, bordel, réfléchis vite. Ouais, non, y'a rien, t'inquiète pas, meuf, y'a pas de soucis. J'aurais dû dire la vérité. Y'a pas grand chose par ici. T'as bien regardé partout? J'aurais dû dire la vérité, je suis un gros débile mental. Mais ça disait la bibliothèque. Ah, chie à rien ici. Allons trouver Josh, d'accord? Je me sens mal, je me sens trop mal, les gars. J'aurais pas dû limiter au ciel, le sait, elle va me péter la gueule. Enfin, elle va me péter une crise surtout, je pense, mais. Je peux pas te redire qu'il y a quelque chose là? Petite hache. Bon, tant pis.
toujours la lumière là-bas. Ouais. Je trouve que la lumière, c'est assez stylé. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si ça change ou pas. Non. Rien n'a changé. À part ça, les gars, qui s'habille comme ça pour aller à la montagne en pleine neige là? Oh putain, la caméra elle se déplace trop vite, je déteste ça. Ça va me crimeriser la gueule. Bizarre. Ouais, ça c'est clair. Pourquoi il y aurait toute une pièce secrète derrière avec un bouton et un mur qui bouge si c'était vide? On va se faire scrimeriser la gueule, les gars. Ouais, c'était pas vide, je suis en pélo, j'aurais jamais dû mentir. Nanana, département ethnique et racial, blablabla. Alors. Cher docteur Swashman. Merci pour votre réponse. Il y a bon à savoir la tribu sans tatatatatit. On dirait le papillon qu'elle avait en tatouage. Le logo de Washington, si ça vous met bien. Ok, what the fuck. J'aurais vu le cinglé. Elle est écrite par la mère de Josh. Ouais, elle fait vraiment un effort pour arranger les choses avec une tribu indigène, on dirait. Ouais, on dirait que le mauvais karma remonte à loin. Ok, donc il y aurait un malade qui se trimballe à peu près vers nous. Sûrement le ouf là qui a poursuivi Jess et... Enfin pas Jess là. Bess et sa sœur machine là. Anna et Bess. Salope! Oh connasse de merde! Putain, mais quelle idée de me faire un. Spawner dessus comme ça là! Ah, mais j'en reviens pas! On peut pas allumer là-bas, il y a un truc. On peut pas ouvrir cette porte là? Non! Niquez-moi, excusez-vous. Donc. Oh mon dieu, regarde là là! Juste de repenser à un truc que j'ai vu avec Sam. Quoi? Il y avait un avis de recherche, comme dans les westerns, tu vois. Et alors? Et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre. Et alors, tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous? Mais bon, ça peut être n'importe qui se trouvait déjà au sous-sol. Quoi? Sous le plancher, dans la bibliothèque, la lumière. Bah, il y avait ce type dont je t'ai parlé. Quoi? Attends, quel type? Le type qui menaçait les Washington. Il a dit qu'il voulait prendre sa revanche en incendiant leur maison. Chris, si c'est ta façon d'essayer de me rassurer, t'es viré. T'as entendu ça? C'était Josh. Ça vient de la cuisine. Josh. Ashley. Qu'est-ce que je fais? Ashley, je vais... Allez là! Vous avez pas intérêt à me faire le coup des lunettes et tout là, les gars. Wesh! Oh, calme-toi, Dark Vador. Oh bordel, je suis pas bien. Envie de pleurer. C'est à dire que le mec avait quand même foutu une patate énorme à n'importe qui quoi. Oula, il y a des ballons et tout. C'est à moi, je joue le mec. Comme toi avec ton gant par contre, fraté. Génial. Ah. C'est quoi à droite, en bas à droite? C'est un lapin? Un lièvre? Je vais pas te mentir, j'ai un peu envie de pleurer. Non mais là ça va en vrai. Je vais maintenant vous montrer des photos de gens que vous connaissez. D'accord. Et appréciez. Ok.
mais vous ne les appréciez peut-être pas autant que vous le prétendez. Eh bien, ceci est un exercice de franchise. Dans chaque paire, désignez la personne que vous appréciez le plus. Prenez votre temps. Vos réponses sont importantes. C'est bon, parce que j'ai l'impression, en fait, c'est vraiment un couple, tu vois. Genre, eux deux. Enfin, bah, faut s'en battre les couilles. Ma vie, elle est trop bien ou pas? Je préfère Sam. Il n'y a pas à chier. Voilà, les gars, je suis là. Je vous baisse tous. Je préfère Sam. Je m'en bats les couilles des deux, mais vu que je supporte pas Emily, je préfère Matt, parce que Matt c'est quand même un mec un peu sympa. J'ai pas de mytho. Ah. Ah. Ah putain, entre eux deux, ça je sais pas. Eux deux, je les kiffe pareil en fait, c'est vraiment... Bon allez hop, on va préférer H, parce qu'elle est... Elle est sympa quand même, H. Là je préfère Mike parce que c'est quand même un BG musclé. Je préfère Josh sans hésiter. Sans hésiter je préfère Josh parce que Emily c'est vraiment la meuf que je préfère réellement. Là je préfère Chris. Mr. Chris. Qu'est-ce que tu veux dire? Dites-moi. Moi, allez, salut. Dans ce petit jeu auquel vous vous adonnez avec ferveur, quelle personne aimez-vous le moins? Le moins? J'aime moins Emily, mec. Emily, c'est celle que j'en ai rien à branler. Un peu trop garce à votre goût? Le manque de confiance en soi se manifeste souvent par une assurance excessive. Pensez-y. N'est-ce pas un peu comme vous? Ah. Une fois encore, la session touche à sa fin. Ça voudrait... En fait, tu vois, là, quand... En fait, ce qu'il vient de dire là, ça s'applique à Jess, mais aussi à Emily. Parce que les deux, elles sont en mode... Les deux meufs sont en mode « Ah là là, je suis la princesse, t'as vu ?» Alors qu'en vrai, une personne en particulier retient toute notre attention. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il les aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction au milieu des pins de Blackwood. Et il disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. S-O-E S-O-D-O-M-I. Allez, salut. Josh, ça doit être... De quelle sœur il s'agit alors? Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Ah la vache. Vache. J'espère du coup que cet épisode vous aura plu. Et donc je finis juste vite fait ce que je disais. C'est qu'en fait ça s'appliquait aux deux meufs. Parce qu'on va jouer Mike au top. Ça s'appliquait aux deux meufs en fait. Parce qu'elles sont vraiment en mode je suis la princesse et tout. Mais en fait, s'il faut, elles sont comme ça parce qu'elles sont pas vraiment conventionnelles. On s'en bat les couilles, c'était Frankenko. Et bye tout le monde.